forces argentines sur les îles Malouines, la flotte de guerre britannique a appareillé ce matin. Israël prêt à répondre au terrorisme par la force, affirme le ministre israélien des Affaires étrangères aux funérailles du diplomate abattu à Paris. Manifestation en ce moment devant le siège de l'OLP à Paris. Allègement de la taxe professionnelle des entreprises, annonce Pierre Mauroy sur Antenne 2. Sport automobile, le retour triomphal de Niki Lauda après 2 ans d'absence en Formule 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Colère, émotion, accusation, démenti, l'assassinat samedi dernier à Paris d'un diplomate israélien, Yaakov Bar Simantov, continue de déchaîner les passions et de nourrir l'inquiétude. Inquiétude devant le regain de manifestations terroristes en France, alors que notre pays jusqu'ici n'avait pas servi de champ clos au règlement de compte israélo-arabe. La police reste très discrète sur son enquête. Il ne semble pourtant pas exclu que la jeune femme qui a abattu le diplomate soit d'origine française. Le Premier ministre Pierre Mauroy, invité de notre journal de 13h, a affirmé qu'il n'avait aucune preuve de la responsabilité de l'OLP dans cet attentat. Pierre Mauroy répliquait ainsi aux propos de l'ambassadeur d'Israël en France. M. Meir-Hozen a été reçu cet après-midi par le ministre des Relations extérieures, Claude Cheysson. Alors que le diplomate avait mis en cause les pays qui entretiennent des relations avec l'OLP et qui, je cite, « ont plein la bouche d'amitié pour Israël », le diplomate n'a pas demandé à M. Cheysson la fermeture du bureau de l'OLP à Paris. C'est pourtant ce que réclament de nombreuses organisations juives qui organisent en ce moment même une manifestation à Paris devant le siège de l'OLP. Plusieurs centaines de personnes ici devant le siège de l'Organisation de la Libération de la Palestine à Paris, plusieurs centaines de personnes et surtout de nombreux jeunes pour cette manifestation qui a été convoquée à l'appel de plusieurs organisations, notamment la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, la Fédération juive de France, le Renouveau juif. Ici, les manifestants réclament la fermeture du bureau de l'OLP à Paris. Ce bureau, ouvert il y a quelques années avec l'accord du gouvernement français, permet à l'OLP d'avoir pignon sur rue en France, même s'il ne lui reconnaît pas un quelconque caractère diplomatique. Pour les organisateurs de cette manifestation, il ne fait aucun doute que c'est l'OLP qui a armé le meurtrier du diplomate israélien abattu la semaine dernière à la porte de son domicile. C'est la conviction de l'ensemble des manifestants. D'après eux, c'est l'existence d'un tel bureau de l'OLP à Paris qui permet, je cite, « des assassinats sous couvert de légalité ». Les propos du représentant de l'OLP en France, Ibrahim Sousse, qui dément catégoriquement toute participation à cet attentat, ne change rien à cet état de choses. Oui, justement, le représentant de l'OLP en France, Ibrahim Sousse, n'est pas à Paris mais à Strasbourg où il poursuit une tournée d'informations sur les événements de Cisjordanie et de Gaza. Il a réaffirmé à Bernard Benyamin que l'OLP n'avait pas tué à Paris. L'OLP n'est pas impliqué dans cette affaire pour la seule raison, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que ce n'est pas ni dans les tactiques de l'OLP ni dans la stratégie de l'OLP. Nous menons une lutte de libération nationale pour notre peuple qui se place sur le terrain palestinien en Palestine, que ce soit dans la partie occupée après 67, c'est-à-dire que conduit notre peuple sous occupation en Cisjordanie et Gaza, ou que ce soit en exil, c'est-à-dire à partir des territoires limitrophes de la Palestine. Mais ce n'est en aucun cas une des tactiques utilisées par l'OLP dans sa lutte armée et dans sa lutte de libération nationale. En tout cas, le ministre israélien des Affaires étrangères a dit aujourd'hui qu'il fallait que les gouvernements du monde entier mettent fin à leur appui politique à l'OLP. Vous pensez, Ibrahim Sousse, que le gouvernement français pourrait répondre à ce vœu du gouvernement israélien? Je ne pense pas. Je pense que nos relations avec la France sont bonnes. Les autorités françaises vont maintenant mener cette enquête à bien. Ils vont constater que l'OLP n'est pas impliqué dans cette affaire-là. L'OLP a toujours tenu à respecter la loi et la légalité en France et nous continuerons à la respecter. Je pense que nous tenons à garder de bonnes relations avec la France et je tiens à rappeler que nous sommes quand même reconnus par 108 États membres des Nations Unies qui représentent à peu près 90% de la population de la Terre. L'OLP mène une juste lutte et je voudrais poser une question à toutes ces bonnes consciences qui aujourd'hui élèvent la voix. Où était leur voix? Pourquoi était-elle singulièrement muette quand il y a eu des adolescents palestiniens morts?
par balles israéliennes il y a à peine une semaine. Nous n'avons rien à dire aux assassins, mais nous avons beaucoup à dire au gouvernement qui, par myopie politique ou par calcul, autorise les terroristes à ouvrir des bureaux chez eux. C'est en ces termes que le ministre israélien des Affaires étrangères est revenu à la charge ce matin près de Tel Aviv, où il assistait aux funérailles du diplomate assassiné. Israël extirpera le terrorisme par la force, a-t-il dit. À Jérusalem, on s'interroge sur la riposte du gouvernement israélien qui serait tenté, encore une fois, de frapper les Palestiniens au sud Liban. De Jérusalem, Didier Ebelbaum. L'OLP est coupable. Cet attentat représente une violation flagrante du cessez-le-feu conclu en juillet dernier. Voilà les deux points de départ de la position du gouvernement israélien. Il a siégé hier en tant que commission de la défense nationale pour décider de la marche à suivre. Alors, que nous réserve l'avenir? Certainement une réaction dure. Les obsèques du diplomate Yaakov Bar Siman Tov, aujourd'hui près de Tel Aviv, nous en ont donné un avant-goût avec l'oraison funèbre prononcée par le ministre des Affaires étrangères, Yitzhak Shamir. C'est un réquisitoire et un avertissement d'une sévérité sans précédent. Nous connaissons le vrai visage de ceux qui ont envoyé la meurtrière. Ils ne comprennent que le langage de la force, et c'est ce langage-là que nous leur parlerons. Notre puissance de défense, a dit Yitzhak Shamir, est capable d'écraser toutes les organisations terroristes, leurs chefs, leurs quartiers généraux, leurs centres au Liban. Ce sont les pires ennemis de la paix, et Israël les frappera sans hésiter partout où ils se trouvent, a encore déclaré le ministre. Il faut souligner que le gouvernement israélien a le feu vert de l'opposition. Les terroristes, affirme le parti travailliste, doivent savoir que le sang israélien ne sera pas versé impunément. Le Premier ministre Begin a d'ailleurs choisi ce moment de recueillement et de resserrement de l'unité pour lancer une nouvelle proposition de former un cabinet d'union nationale. Sur un autre front, celui du Golan, l'armée israélienne a levé ce matin son blocus de 40 jours, mais la population druze poursuit la grève déclenchée il y a un mois et demi contre l'annexion israélienne. L'occupation des îles Malouines par l'Argentine est un véritable acte de guerre. En stigmatisant ainsi le coup de force argentin sur ce petit territoire britannique du bout du monde, le Premier ministre Pierre Mauroy a clairement signifié ce midi le soutien français à l'indignation britannique. Car cette crise entre la Grande-Bretagne et l'Argentine, qui pour nous a presque l'allure d'un conflit d'opérette, cette crise en fait ébranle profondément le Royaume-Uni et sa vie politique. Britannia règne sur les flots. Cette fière devise liée à la splendeur d'un empire maintenant déchu, les Britanniques en ont ressenti toute l'amertume en voyant ce matin leur flotte de guerre appareillée pour les Malouines. C'est l'image du jour, les marins britanniques partent peut-être en guerre. Bernard Rapp. Effectivement, et la publicité donnée à la préparation puis au départ de la flotte britannique n'est certainement pas fortuite. En faisant ainsi la démonstration de sa force, le gouvernement britannique recherche un double objectif. D'abord, bien sûr, montrer aux Argentins que tout est prêt pour un éventuel conflit armé et qu'ils ont intérêt à envisager une négociation pendant les 15 jours que va durer le voyage. Mais il y a aussi dans cette détermination un souci évident de politique intérieure. Il s'agit de rassurer les Britanniques après 3 longs jours d'indécision du gouvernement. Et c'est sous les vivas que la flotte a appareillé ce matin à Portsmouth. 36 navires conduits par le porte-avions l'Invincible, le voici, qui fera office de navire amiral. Parmi ces marins et officiers impeccablement alignés sur le pont du porte-avions, il y a le prince Andrew, le second fils de la reine, qui sert en tant que pilote d'hélicoptère. Sa présence sur le navire n'est sans doute pas, là encore, une coïncidence. Bref, ce déploiement maritime jamais vu en Grande-Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale peut témoigner que l'Angleterre est maintenant prête à riposter. Une riposte souhaitée par près de 80% des Britanniques, si l'on en croit un sondage paru dans la presse anglaise. La flotte, malgré sa puissance, mettra au moins 15 jours à atteindre les Malouines. Mais déjà, Mme Thatcher paie le prix de l'humiliation infligée à la Grande-Bretagne. Son ministre des Affaires étrangères, son ami, l'un des piliers de son gouvernement, a été obligé de démissionner aujourd'hui. Bernard. Effectivement, Lord Carrington, je serais tenté de dire que cette démission clôt en quelque sorte la crise politique intérieure en Grande-Bretagne qui est liée donc à l'affaire des Malouines. Vous vous souvenez que le gouvernement avait été très sévèrement critiqué par les députés. On lui avait reproché son imprévision d'une part et puis aussi d'avoir menti sur le déroulement des opérations au cours du week-end dernier. Alors les députés, et pas seulement les travaillistes, mais aussi des conservateurs, donc des amis de Margaret Thatcher, avaient réclamé des têtes, et notamment celle de Lord Carrington et de ses adjoints. On avait pensé que Margaret Thatcher ne céderait pas. Elle a cédé, je crois qu'elle n'a pas eu le choix. Elle l'a fait sans doute avec beaucoup de regrets, car Lord Carrington, comme vous le disiez, était un pilier de son gouvernement. Il était très important pour elle, il tempérait sa politique, et en plus, il était extraordinairement populaire.
Alors c'est Francis Pim qui va le remplacer. Francis Pim était jusqu'à ce soir le leader de la majorité conservatrice à la Chambre des communes. C'est un petit peu le même profil, ce n'est pas un diplomate, mais il connaît la politique. Il était ministre de la Défense dans le premier gouvernement de Margaret Thatcher. Alors, le ministre de la Défense a lui aussi proposé sa démission ce matin, mais elle a été refusée. Mais je crois qu'il est très difficile de démissionner un ministre de la Défense quand la flotte s'apprête à partir. D'ailleurs, c'est presque un ministre de la guerre maintenant. Cela dit, M. Nott, c'est le ministre de la Défense, le sort de M. Nott est en sursis, tout comme d'ailleurs le sort du gouvernement britannique, qui est lié à la réussite de l'opération Malouine, donc, et une réussite qui doit être soit diplomatique, soit militaire, ça nous le verrons bientôt. La crise, en tout cas, coûte déjà cher aux Britanniques. La livre a atteint aujourd'hui son cours le plus bas depuis 10 mois. La bourse a fortement baissé et l'or a augmenté de 10 dollars. Un sacrifice déjà, de nombreux supermarchés britanniques ont décidé de boycotter le corned beef argentin, ce bœuf en boîte dont les Britanniques sont si friands. Sur le terrain, dans l'archipel des Malouines, les habitants qui ne cachent pas leur attachement à la couronne britannique ont trouvé une façon très britannique de résister à l'envahisseur argentin. Ils continuent de rouler à gauche alors que les lois argentines, notamment la conduite à droite, sont maintenant en application. Michel Strulovici. Les Malouines à l'heure de Buenos Aires. La capitale, Port Stanley, désormais Puerto Rivero, transformée en un véritable camp retranché, se prépare à une éventuelle attaque des troupes de Londres. Les tanks remplacent les automobiles britanniques et les îles vivent sous l'état de siège. Les habitants, sujets jusqu'à vendredi dernier de Sa Gracieuse Majesté, sont maintenant soumis aux lois argentines. Et pour un geste inamical de cette sorte, on est passible de 30 jours de prison. Gardons les Falklands anglaises, proclame pourtant cette pancarte, un slogan qui traduit les sentiments des 1800 résidents de l'archipel. Une opinion qui compte peu pour les militaires argentins, dont l'attention est tout entière tournée vers la mer, d'où peut venir le danger. À 1000 km de là, sur le continent, le général Galtieri, le président de la junte militaire, réaffirme le bon droit de l'Argentine, un pays de plus en plus isolé sur la scène internationale. Oui, en Argentine, après l'euphorie nationaliste des premières heures, on commence à prendre conscience de la gravité de la situation. Sur le plan diplomatique, après sa condamnation aux Nations Unies, le régime tente de plaider sa cause devant l'Organisation des États américains. Mais la possibilité d'un conflit armé avec la Grande-Bretagne commence à faire réfléchir et même à faire peur. De Buenos Aires, le correspondant de l'AFP, Michel Henault. L'euphorie a fait place à l'inquiétude à Buenos Aires avec la reprise des occupations habituelles lundi matin. L'annonce du départ d'une imposante flotte britannique supérieure en nombre et en puissance opérationnelle et de feu à toute la marine de guerre argentine réunie a réveillé les Argentins qui commencent maintenant à croire sérieusement en la possibilité d'un conflit armé d'importance dans l'Atlantique Sud. Si à Buenos Aires, en raison de l'éloignement de l'éventuel théâtre des opérations, 1500 km à vol d'oiseau, la population jusqu'à maintenant a fait preuve d'insouciance, les habitants du Sud, en revanche, ont été plus sensibilisés, en raison notamment de l'importante concentration dans cette région de troupes et de matériel qui se poursuit depuis 72 heures. On rapportait d'ailleurs lundi matin un début d'exode de familles entières qui quittaient pour le nord ou l'intérieur du pays les villes de Comodoro Rivadavia et de Rio Gallegos. Il s'agit des deux grandes villes qui se trouvent à 600 et 400 km de l'archipel, objet du conflit. Pourtant, la majorité des Argentins continue d'applaudir à l'annexion de ces îles, revendiquées depuis plus d'un siècle. Même les opposants au régime militaire, même ceux qui ont souffert dans leur chair des sévices du régime, sont fiers aujourd'hui de leur pays. Le célèbre pianiste et prix Nobel Miguel Ángel Estrellas l'explique. Tout ce que nous vivons en ce moment, je ne veux pas m'empêcher de les sentir comme une forme de revendication historique. Pourquoi? Parce que dès que on commence à aller à l'école, et on parle beaucoup de Malouines en Argentine. Quand on dessinait la carte de l'Argentine chaque année, et il fallait bien placer les Malouines et insister sur le fait que c'était un territoire qui nous appartenait. Et c'est une histoire que depuis mon enfance, j'ai entendu dire, et c'était une histoire cyclique où tout le temps revenait le truc, il faut reconquérir les Malouines, et il faut reconquérir les Malouines. Enfin, c'est dans notre cœur, dans notre chair. Et les histoires de Malouines. Donc si vous aviez été en Argentine et que le jour où on a annoncé que les Malouines avaient été reconquises, est-ce que vous auriez été manifesté comme les autres sur la place de Mai? Et bien sûr.
Seulement, il faut analyser l'histoire de Malouine dans le contexte actuel de l'Argentine. C'est comme quand on va au match de football et on crie, et on manifeste, on crie des choses. Et on profite n'importe quel événement religieux ou sportif ou n'importe pour crier. Et je crois que c'est un peuple qui est depuis très longtemps assez frustré et qui a besoin de s'exprimer. Et je pense aussi qu'il y a eu une manipulation très intelligente de la part de la dictature argentine dans l'information. Et le fait de toucher cette chose qui bouge en nous depuis toute la vie, les Malouines sont à nous, et bien sûr a dû exciter le public. Au-delà de ces réactions passionnelles, le conflit entre la Grande-Bretagne et l'Argentine risque de tourner maintenant à la guerre d'usure diplomatique. Leonid Brejnev est en vacances et il se porte bien. Ce communiqué très officiel du ministère des Affaires étrangères de Moscou donne la mesure des rumeurs qui, même en Union soviétique où pourtant la presse se tait, continuent de s'amplifier sur l'état de santé du numéro 1 soviétique. Et pour manifester sa vigueur, M. Brejnev n'a jamais signé autant de messages de félicitations à des dirigeants étrangers. Le fait du jour en France, c'est une déclaration du Premier ministre Pierre Mauroy ce midi sur Antenne 2. Une déclaration selon laquelle il confirme son intention d'engager de nouvelles discussions avec les partenaires sociaux. Monsieur Mauroy passera la journée du 16 avril prochain avec le CNPF et l'allègement de la taxe professionnelle réclamée par les patrons semble acquise. Écoutez ce qu'en a dit Monsieur Mauroy. Nous leur annoncerons sans doute une bonne nouvelle, à savoir un dégrèvement d'impôts pour 82 en ce qui concerne la taxe professionnelle, dans des conditions et dans des proportions que je leur préciserai le 16 avril et que je ne puis reprendre aujourd'hui. L'allègement de la taxe professionnelle est en effet l'une des principales revendications patronales. Pour les chefs d'entreprise, c'est à côté des autres charges sociales une facture importante. Guy Schwartz. La taxe professionnelle, c'est l'impôt local qui a remplacé en 1975 la patente. Payée par 2 400 000 entreprises, commerçants et membres de professions libérales, cette taxe professionnelle est un impôt important. En effet, elle assure la moitié des ressources fiscales des communes et elle a rapporté l'an passé 45 milliards de francs. Si cette taxe est aujourd'hui critiquée, c'est essentiellement parce qu'elle est calculée à partir de deux éléments. Premièrement, le cinquième du montant des salaires, et deuxièmement, ce qu'on appelle la valeur locative des immobilisations, c'est-à-dire la valeur des investissements réalisés par les entreprises. En d'autres termes, cette taxe pénalise à la fois les entreprises qui créent des emplois et les entreprises qui investissent. C'est pourquoi le gouvernement étudie une réforme de cette taxe. Cependant, s'il prenait par exemple comme base de calcul la valeur ajoutée, on assisterait à un transfert des charges de la grande industrie vers quelques 800 000 petits commerçants. Et cela, le gouvernement peut difficilement s'y résoudre. Les revendications et l'état d'esprit des patrons seront discutés à l'Élysée dès jeudi. Le président du CNPF, Yvon Gattaz, sera en effet reçu une nouvelle fois par le président Mitterrand. La grève administrative décidée par de nombreux syndicats de médecins continue à Paris et en province. L'intersyndicale réunie aujourd'hui a décidé pourtant d'attendre l'entrevue qui doit avoir lieu à l'Élysée avant de durcir éventuellement leur mouvement. Les internes des hôpitaux universitaires de province commencent à se rallier à la décision de suspension de la grève des soins prise la semaine dernière par le confrère parisien. Les journées parlementaires UDF ont commencé aujourd'hui à Paris. Le nom de Valéry Giscard d'Estaing a été vivement applaudi. Le président du groupe à l'Assemblée, Jean-Claude Gaudin, a rappelé que l'ancien chef de l'État était toujours présidentiable. Mais les députés UDF ont surtout discuté de leur succès au cantonal et de ses conséquences. Jean-Louis Le Sen. Les députés et sénateurs de l'UDF, que l'on présentait il n'y a pas si longtemps encore comme des centristes un peu timides et un peu mous, ces parlementaires ont décidé aujourd'hui de modifier leur tactique, de devenir plus offensifs à la base. Il fallait pour provoquer ce changement d'attitude un choc, le choc des cantonales, qui a permis à l'UDF dans son ensemble d'enregistrer en France un grand nombre de succès. Seulement, pour amplifier ce succès lors des prochaines élections, il faut, pour l'UDF, renforcer ses structures, seule façon à ses yeux d'être le pendant d'un RPR volontariste et omniprésent sur le terrain. Je crois que les Français ont dit très clairement qu'ils ne voulaient pas de sous-étiquetage.
L'UDF est une des quatre principales familles de la vie politique française. Et par conséquent, nos électeurs sont très unitaires. Et si nous voulons, un jour, arriver à revenir aux affaires, à reprendre la direction de ce pays, il faut que nous soyons une force attractive, en union avec nos partenaires du RPR. Face à une union de la gauche qui se présente en rang serré, malgré certaines divergences, il fallait que les composantes de l'UDF, Parti Républicain, Parti Radical et CDS, qui depuis le 10 mai avaient tendance à retrouver chacune des velléités d'autonomie, marchent de nouveau au coude à coude. Car même s'il ne s'agit que de tactique politique, il est prouvé aujourd'hui que c'est payant. Le portrait du jour est celui d'un homme défiguré qui prend sa revanche sur la mort qu'il a frôlée de près et qui revient à triompher sur les circuits qu'il avait abandonnés depuis 2 ans. Niki Lauda, le génie autrichien de la Formule 1, a gagné hier à Long Beach en Californie et il revient de loin. Henri Bodiguel. 1976, Niki Lauda est champion du monde en titre. Il a déjà remporté 5 grands prix depuis le début de la saison. Quant au Grand Prix d'Allemagne, c'est l'accident. Le visage et les poumons gravement brûlés, Niki Lauda va rester plusieurs jours entre la vie et la mort. Les médecins se déclarent pessimistes. Et pourtant, 6 semaines plus tard, l'Autrichien se présente à Monza au volant de sa Ferrari. Son visage est abîmé, mais sa détermination est intacte. Il le prouvera d'ailleurs dès l'année suivante en 77 en remportant un deuxième titre de champion du monde, toujours chez Ferrari. Ses débuts en Formule 1 remontent à 1971 quand l'écurie Marche l'engage pour disputer le Grand Prix d'Autriche. Mais sa première victoire, il l'obtient en Espagne en 1974, alors qu'il vient d'entrer chez Ferrari après 2 saisons moyennes passées chez BRM. La liaison de l'Autrichien avec l'équipe italienne va durer 4 ans, mais se terminera de façon orageuse. Lauda ne supporte plus les commentaires ni les critiques qui se propagent dans son dos. Personnage peu loquace, c'est en revanche un bourreau de travail, méthodique et parfois calculateur en course, au point qu'on le soupçonne de vivre avec un ordinateur dans la tête. Très rapide sur la piste, considéré souvent comme le meilleur de sa génération, il est aussi bon metteur au point qu'il est réservé dans ses contacts et discret sur tout ce qui touche à sa vie privée. Mais au-delà de l'estime personnelle que certains lui refusent, Lauda a pour lui son palmarès. 17 victoires en Grand Prix, quand brutalement au Canada, fin 79, il annonce qu'il prend sa retraite pour cause de lassitude. D'autres affirmeront qu'il préfère désormais sa compagnie d'aviation à la Formule 1. Le coup de théâtre va se produire à la fin de l'année dernière quand l'écurie McLaren annonce qu'elle vient d'engager Niki Lauda, pourtant absent des circuits depuis 2 saisons. Les sceptiques, et ils sont nombreux, murmurent que la bourse, on parle d'1 milliard de centimes, est plus importante que la passion de la course. Sa maîtrise, pourtant, il la retrouve quand il se met à l'écart de l'accrochage qui élimine Giacomelli et René Arnoux hier à Long Beach. Et puis, à tous ceux qui sont persuadés qu'un retour en Formule 1 est pratiquement impossible, l'Autrichien démontre aux dépens des Césaris qu'il a toujours la vista. Dès le début de la saison à Kyalami, Lauda avait prévenu qu'il se donnait 3 grands prix pour être en mesure à nouveau de remporter des victoires. Eh bien, il a fait nettement mieux hier puisqu'il a inscrit un 18e succès à son palmarès. Étonnant Lauda, controversé, hautain, péremptoire, le personnage actuel est cependant devenu plus attachant. D'autant qu'il paraît tellement peu éprouvé physiquement après la course, malgré les vicissitudes du tourniquet bétonné de Long Beach. Dans 2 disciplines différentes, des discussions difficiles ce soir. Le Conseil professionnel du tennis débat à Monte-Carlo des règlements à imposer ou non à Borg pour sa qualification à Wimbledon et à Roland-Garros. Pendant ce temps, Borg continue de gagner au tournoi de Monte-Carlo. Il a battu aujourd'hui l'Espagnol Luna en 2 manches. Et puis en football, dans quelques minutes, Roger Rocher, le président de l'AS Saint-Étienne, va affronter le conseil d'administration du club stéphanois qui, comme vous le savez, lui reproche son style et aussi certaines de ses décisions. On avait rarement vécu cela à l'Opéra de Paris. Des cris, des trépignements, des tornades d'applaudissements hier soir pour Luciano Pavarotti, le plus grand ténor du monde qui est aux États-Unis et en Italie surtout une vedette qui rivalise avec celle de la chansonnette. Pavarotti, qui gagne plus de 200 000 francs par concert, chantait hier soir au Palais Garnier. On ne l'avait pas entendu en France depuis 3 ans. Georges Bégou et Dan Lustalo avaient la chance d'y être.
Ce n'est pas un stade, c'est l'opéra. Le public debout ovationne Pavarotti une demi-heure durant. Il y avait bien longtemps à Paris qu'un tel triomphe n'avait salué un monstre sacré du bel canto. Luciano Pavarotti, aux États-Unis, on l'a baptisé le nouveau Caruso. Il est aussi populaire que les chanteurs de variété. On vend des t-shirts à son effigie. Il fait de la pub à la télé. Ses disques sont numéro un. S'il venait plus souvent en France, s'il n'était pas si cher, il serait très vite une idole. C'est la plus belle voix, je crois, de l'époque. C'est une pureté que je ne trouve pas ailleurs. Le charme. Et qu'il arrive, les gens fondent, les gens marchent tout de suite. Enfin, c'est spontané, c'est immédiat. Une bonhomie aussi très, très sympathique. Alors ça, c'est l'idole du public. Pour vous faire une idée, une petite minute de ce récital, chanson populaire de Paolo Tosti. Si vous aimez le bel canto, vous restez sans doute un peu sur votre faim. Mais Luciano Pavarotti donnera un nouveau concert jeudi. Et surtout, il sera ce jour-là l'invité d'Antenne 2 Midi. Espérons qu'il chantera. Je ne chanterai pas pour ne pas faire pleuvoir, mais quel temps va-t-il faire demain, là, Gillo Pétré? Il pleuvra quand même. Il pleuvra quand même, mais il y aura tout de même pas mal de douceur demain sur presque tout le pays. Disons, je vous explique ça sur la carte, voilà. Le mauvais temps qui était sur l'ouest du pays se coupe en deux, mais en se désagrégeant. Alors, il y a une partie qui part vers le nord-est, elle sera ici en milieu de journée, mais très très faible. Et une autre partie va vers la Méditerranée où il y aura des orages. Donc, en milieu de journée, une faible zone pluvieuse allant en se désagrégeant encore, se dirigeant vers le nord-est, intéressera le quart nord-est du pays. Au sud, près de la Méditerranée, temps orageux, très lourd, avec finalement des orages et de la pluie. À l'est du pays, là, le temps sera assez nuageux aussi, extrêmement lourd. Il faisait 22 degrés à Nancy aujourd'hui, c'était le maximum relevé à 16 heures par la météo nationale, mais quand même quelques petits éclaircies. Tandis qu'à l'ouest, eh bien là, le ciel sera plutôt dégagé, quelques averses résiduelles le matin, mais l'après-midi, il y aura un maximum d'éclaircies sur tout l'ouest du pays. Les températures prévues pour demain après-midi par la météo nationale, c'est en baisse globalement, mais tout de même, le minimum ce sera 15 degrés près de la Manche, on a vu pire, et si vous faites la moyenne de tout ce qui reste, ça doit vous donner dans les 19 à 20 degrés, on ne voit pas Lille, il fera 17 à Lille demain. Compte tenu de ces températures, les conseils de l'Agence pour les économies d'énergie, pendant que je range cette carte, vous connaissez le code, quand c'est rouge, eh bien vous avez intérêt à chauffer parce que si vous ne chauffez pas, vous allez avoir froid. C'est valable pour les Pyrénées-Orientales et pour une grande partie des Alpes. Quand c'est en pointillé, c'est du chauffage intermittent, et puis là où il n'y a rien du tout, ni pointillé ni rouge, c'est-à-dire en gros l'Île-de-France, les Pays de la Loire, le Poitou-Charente, le Limousin, le Sud-Ouest, la Méditerranée, la vallée du Rhône et la Corse, eh bien là, si vous voulez, vous pouvez ne pas chauffer, ça vous fera des économies d'énergie. On termine par notre agenda, demain mardi 6 avril, 3 minutes de soleil en plus, levé 7h20, couché 20h27, et on fêtera les Marcellins. Dernière minute, le Premier ministre britannique, Madame Thatcher, vient d'affirmer à la télévision, à la BBC, sa détermination calme et professionnelle, ce sont ses termes, de reprendre les îles Malouines à l'Argentine. Et puis le président Reagan a déclaré de son côté que les États-Unis étaient prêts à faire tout ce qu'ils peuvent pour aider à un règlement pacifique du conflit. Notre dernier journal avec Jacques Merlino à 23h15. Demain midi, l'invité sera Jorge Don, l'étoile du ballet Béjart, qui va danser la flûte enchantée à Paris. Je vous rappelle les titres ce soir. Et d'abord, la démission du ministre des Affaires étrangères britannique. La flotte est en route pour les îles Malouines. Manifestation ce soir à Paris contre l'OLP après l'assassinat du diplomate américain. La taxe professionnelle des entreprises sera allégée, a promis Pierre Mauroy sur Antenne 2. Merci d'avoir suivi ce journal. À demain, 20h.